Aujourd'hui, c'est dimanche, et comme chaque dimanche, on se retrouve à Kaelit pour cet été. Alors, du coup, encore une fois, donc du coup, là, j'ai actuellement deux éclats de lumière stellaire. Il y en a un qui est juste ici, du coup. Et une fois que j'en aurai trois, je pourrai continuer la quête de Sylvis. C'est pas grave de pas pouvoir faire la quête de Sylvis. Bon, déjà parce que c'est un connard, mais plus sérieusement parce que ça va juste apprendre un petit peu son lore. Nos enseignants sont là, qu'est-ce que je raconte? C'est pas obligatoire pour le platine, ne vous inquiétez pas. Ah voilà, une larve de renaissance, pourquoi pas. Et donc là, pile à l'est, la cathédrale. Alors, juste à côté, on a Enzikes et Inkizek, j'ai pas le nom, j'oublie à chaque fois. On va pas l'affronter pour le moment parce que il est extrêmement, extrêmement difficile à battre. Surtout à ce stade-là du jeu. Ah voilà. De toute façon, les chevaliers exaltés, ils sont extrêmement relous. Hein. Donc, les chevaliers exaltés dans le lore, ils ont plus ou moins appris des techniques de dragon, d'où le fait qu'ils puissent balancer des flammes. Donc, j'avoue, maintenant que je m'en rends compte, j'ai pas fait d'encart dédié aux techniques draconiques. Donc là, du coup, j'en fais une petite. Quoique, j'attendrai de vaincre Enkizek pour le faire. Quoique, Enzike, on le fera en même temps que les boss d'unité Khalid. Moi, je vais faire maintenant.
Sachez juste que ça coûte beaucoup de mana. Énormément, énormément de mana. Draconique 3. Graisse de plaie draconique, très bien. Toujours utile. Mais bon, Enzikes, il est terriblement, terriblement craqué. Et son souffle, il est complètement abusé. Donc autant ne pas l'affronter normalement. Ou pas maintenant. Nord-Est. Ah, ces bruits de mouches et de petits violons là. J'ai l'impression d'entendre Olivier de Rivière faire la musique des rats dans Uplay Tale. J'adore ce jeu. Le théâtre légendaire de l'ultime affrontement entre le général Radahn et Malenia, l'épée de Mikaela, est une vaste province dévastée par la putréfaction écarlate. Ah bah il perd pas de temps lui. Avantage gravitationnel pour ça. Donc tous les mobs volants, si vous utilisez la moindre technique de gravité, ça va les mettre à terre. Spire de champion témoigne du nombre considérable des victimes tombées aux mains de son porteur. Ok. Suivant l'exemple de leur chef Oharalu, les courageux guerriers d'Erseril évitent les ornementations excessives. Bref, ils tirent leur force de leur nudité. Et le grand homme, juste un homme, tout simple, un homme normal quoi. Et carreaux enflammés, donc les flèches de feu c'était l'autre marchand, et là du coup on a les carreaux enflammés. Pourquoi pas, c'est toujours intéressant. Et ça j'en ai combien? J'en ai 9, donc autant acheter. Ah, c'est une armure en moyenne, ça, bon, tant pis. Hop. Hop, alors du coup, c'est plus ou moins ici. J'avoue, là, on navigue un peu en zone... En zone dangereuse, on va dire. Là, du coup, on part plein sud. Même s'il va y avoir des piafs, l'objectif, c'est pas forcément de les affronter. Ça va être au moins de récupérer là, l'arme de cristal qui traîne. Tourne. On va sur les champignons ici. Les espèces de bubons, là. Voilà. Parfait. Sud-ouest, la graine dorée. Ensuite, on descend par ici. C'est de la triche, oui, vous en pensez ce que vous voulez, mais bon. On fait ce qu'on veut. La zone est particulièrement désagréable à parcourir, même avec la flamme des lions rouges, donc autant faire ce qu'on veut. Oui. Oh shit. Ah, ah. Attends, c'est qui à la fin? C'est l'ombre du cimetière. Donc ombre du cimetière, donc forcément. Donc, hop, dégâts sacrés. Et j'ai attaque chargée ou pas? Attaque chargée, nickel. Donc, centre de guerre, Urumi. Ah, je peux pas lui mettre arme sacrée, quelle horreur!
Quelle merde. Parfait. Arme sacrée, parfait. Ça continue de grimper, au secours, n'importe quoi. Ah, peut-être parce que j'ai roulé dans dans le poison, donc du coup ça continue de monter. Balek. Je triche. C'est bon, ça monte plus. Putain, mais sérieusement, sérieux. Mais de toute façon, tous les combats au pif comme ça contre des boss de merde, je vais jouer comme une merde. Yeah. Les beaux affrontements seront uniquement contre les beaux boss. C'est la règle. Déconnez, vous foutez quoi? Pourquoi vous attendez que j'arrive? Thank you.
On contourne, c'est plus facile. Le conflit du fléau des astres. Radahn seul préserve Celia. Et s'élève pour anéantir le firmament. Peut-on voir Celia d'ici? Tout là-bas. Très très loin là-bas. Bon, on la voit pas, malheureusement. Alors, donc, techniquement, il y a le pont infranchissable. C'est son vrai nom. Il est infranchissable. Mais bon, on va pas y aller pour le moment. J'aime bien comment les soldats foutaient rien de leur vie jusqu'à ce que toi t'arrives. Bon, c'est plus facile à scripter, forcément. On revient... ici. Souvenez-vous... qui utilisait des pantins? L'académie de Rhea Lucaria. Donc, Rhea Lucaria est forcément venue ici à un moment ou à un autre. Voilà, on se dépêche. Faites un crochet par la cabane, ok. Pleasure to see you, a pleasure indeed. I am Gari, a great sage, in my day anyway. Je suis pas en mode combat là, donc arrêtez de mettre la musique. Voilà, on est tranquille. Oh, I am Gari, a great sage, in my day anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the Erdtree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep scarlet swamp of Aeonia outside Celia's bounds. The needle, made from unalloyed gold, is lost somewhere there. First, you must find the unalloyed gold needle. It's hidden somewhere in the deep scarlet swamp of Aeonia. Then I will tell you, as promised, the secret of the town of Celia. Oula, changement radical de... Il est pourri ta cabane. Il pleut à l'intérieur. Alors, par contre, voilà, je sais pas pourquoi ils ont traduit Aeonia en ivoine, du coup, en version française. Pas la moindre idée. Donc du coup, là, ce qui m'intéresse, c'est que... Même quand l'arbre-monde était à son apogée, même les demi-dieux ne pouvaient pas résister à la putréfaction écarlate. Sauf manifestement Millicent qui elle est capable de le faire. Donc est-ce qu'elle est différente? Pour le moment on sait pas trop. Alors donc là du coup on va revenir pile ici.
Juste, je parle à Gori en premier, histoire d'avoir un semblant de fil logique de quête. On peut, de mémoire, on peut affronter, enfin, on peut récupérer l'aiguille d'or pur, puis parler à Gori. Là, je voulais avoir au moins son bout de dialogue avant, quoi. Donc là, on va un petit peu au nord-ouest. On va essayer de repérer ça, voilà. Phoenix, c'est toujours plaisir. Et le bourgeon sacramentel. Ok, très bien. Ensuite, ouest. Et encore une fois, tant que Torrent met les pieds dessus, nous, on n'est pas affectés par la putréfaction. Ici, hop, au nord. Alors, ça, c'est un scarabée téléporteur, donc sur ce coup-ci... Ensuite, à partir de là, du coup, ici, hop. Ah! Donc là, c'est des trash mobs. Les chevaliers de la putréfaction écarlate. Et donc, du coup, vous pouvez les farmer. Ouais, ils sont assez vénères. Ah, la feinte, très bien. Vous pouvez les farmer histoire de récupérer leur armure, leurs armes, donc le la faucille. Qu'est-ce que c'est que cette pose? La rapière, la faucille et surtout la lance qui, par contre, est extrêmement rare, malheureusement. Mais bon. Fermez-les si vous voulez. Leur armure est très très classe. Enfin, j'adore la couleur, personnellement. Des d'or abîmé, d'or pâle, enfin d'or brun. Alors, non. Oh, non. L'or brun, c'est autre chose. Ah. Faut voir parler à Mélina. Ça me paraissait bizarre. Alors, à partir d'ici, plein nord. Le splendide lame. Parle-t-il de Radan ou parle-t-il de Malenia? C'est ça, papillon d'ivoine, pas papillon de Ionia, quoi. Je piche pas exactement. Donc là, du coup, comment on se repère? Donc du coup, repérer les escaliers. On va là-dedans. Attends, météorique, nickel. Ensuite, deuxième. On va là. Nord un peu est. Technique du parfumeur. Et le flacon de parfum, surtout très important. Et la pile au nord. Plein d'ennemis, attention, mais surtout le tunnel avec la vraie récompense. Parfumeur, c'est plus facile. La technique de la fronde, très utile pour les magiciens.
Et donc, maintenant qu'on a récupéré un flacon de parfum, inventaire, objet clé, voilà, on a un truc à collecter en plus. Les sacoches à talisman, les mimolites, les flacons de parfum pour rituels et pour fissurer. Flacon de parfum. Employé par les parfumeurs, destiné à contenir différents produits haut de rang. L'art du parfum était jadis jalousement gardé à la capitale, mais quand les parfumeurs furent enrôlés dans l'armée lors de l'éclatement, l'utilisation de leur technique se généralisa un doute l'entre-terre. Très bien. Fabrication d'objets. Flacon de parfum. Consomme des PC pour cracher une brume acide affaiblissante. Qui endommage les armes et réduit temporairement la puissance d'attaque. Donc, de toute façon, il n'y a plus de durabilité sur les armes. Dieu merci. De se conserver en bouche avant d'être craché. Hors de mon chemin. Hop, go est. Et donc précisément ici. Ah ! Gros fail. Incroyable. Donc ouais, si vous voulez récupérer vos. Tout est plus gros ici à Kaelid. Ça c'est un scarabée à. À fiole de soin. Au moins ça permet d'observer un petit peu leur motif. Toujours, pourquoi pas. Hop. Et là de toute façon, si j'ai pas de bêtises, on revient vers l'accès. Oups. Là, et après du coup on peut aller par là-bas. Mais bon, ça on le fera plus tard. Bien, bien plus tard. Là du coup, approximativement nord-est. Scarabée invisible à buter. Merci. Quelle horreur. Ah. Donc là, la fameuse cité de Celia, de la sorcellerie furtive. Cendre du fien fauvave putréfié. Et là, à partir d'ici, du coup, on va pouvoir se mettre. Sur la gueule. Ça se dit, je sais pas. J'arrive plus à parler parfois. Les effets de Kaelid sur le cerveau. Donc, sud-est. Là, du coup, il faut réussir à déclencher l'aggro de l'envahisseur. Sans pour autant attirer tous les chevaliers putréfiés.
Ah, enfin, ici. Oh, punaise. C'est fini, Anakin. Merde. Très élégant. Il peut enchaîner par-dessus. What? En fait, elle est pas dangereuse. Hein. C'est juste son combo à la con. Ah! Elle peut faire ça? Attends, quoi? Ah non, ok, non. Du coup, genre, à quel moment c'est possible? Depuis quand Millicent sort des techniques de démence? Non, c'est juste moi qui hallucine. C'est juste moi qui lui inflige de la démence avec ma lance. Vu qu'on affronte très rarement des adversaires humains, j'oublie que la démence affecte uniquement les PNJ humains. Et pas, enfin, pas juste vous, en fait. Qu'on peut proc de la folie sur des PNJ. J'ai oublié ça. Empoisonnement de l'arme, hop. Encore, mais... Alors, vraiment, farmer ici, c'est vraiment un enfer. Alors... Ici, on a le commandant O'Neill, ou Nial, j'ai oublié son nom, qui est très baraqué avec une longue hallebarde, mais je vais pas faire de minute boss dessus parce qu'il est assez simple. La seule stratégie, en fait, c'est que on peut l'affronter à cheval. Vous invoquez des PNJ, un groupe de PNJ, bah, typiquement les... Hop, les semi-humains, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sonde intéressante, du coup? Les fleurs de Miranta n'ont jamais de la vie. les cadavres putrides... Vous invoquez n'importe quelle invocation avec beaucoup de mobs. Bah les loups aussi, ça peut faire l'affaire. Juste, vous courez, vous galopez, et vous tuez tout le monde à cheval. Rien de plus simple. Et vu qu'on est à cheval, Amir attaque à deux de monture.
Je vous expliquerai sa vraie stratégie quand on aura besoin de l'affronter à la loyale. Pour le moment, eh ben on n'en a pas besoin. Bien sûr que ça a de l'effet. Y a pas besoin de strat, je vous avais dit. Hein. C'est Torrent. Ah, vous êtes lent de ouf, punaise. Allez. Chargé. Il était buffé le boss, ou alors je suis moins de dégâts qu'avec mon build. Mais oui, forcément, sur ma première run, j'utilisais congélation et saignement en même temps, donc forcément, ça me paraît plus difficile. Hop, voilà, parfait.
Mais même les libellules et son métal. Vous êtes trop fat. Par contre, les têtes de libellules, on a besoin pour... Voilà, tu vas me dire, merci. Pour les pilules anti... c'est ça. Pire, les pilules anti-poison normal. Par contre, en immunisante, c'est les bourgeons sacramentels qui sont extrêmement rares sur ce coup-ci. Et là, la description dit que c'est extrêmement rare, et en effet, c'est extrêmement rare. C'est bon, le vigor check, je l'ai passé. Non, mais la plus 4. Oh, je vais mettre jusqu'à plus 5. Bon. Bizarre, ça me rappelle un truc. Un géant qui balance des pots explosifs. Ah mais non, le pot il est bleu. C'est quelque chose de nouveau. Le pot il est bleu et pas rouge, c'est bon, c'est... C'est nouveau, c'est exclusif. Ah. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Aiguille de couteau... Enfin, aiguille de couture. En or pur, donc ça on la connaît déjà, mais voilà. Aiguille d'or pur. Délicate aiguille d'or pur, brisée en deux. On prétend que cet objet rituel, qui fut conçu pour contrer... l'influence de divinités extérieures soit capable d'endiguer l'incurable putréfaction. Donc l'incurable devient curable. Mais voilà. Il fut conçu pour contrer l'influence des divinités extérieures. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de contrer l'influence des divinités extérieures? On sait que ça permet d'empêcher l'intervention de la beauté supprimée des doigts qui la servent. Donc est-ce que ce casque il est fait pour n'importe quelle divinité extérieure ou est-ce que ce casque est fait uniquement pour contrer la volonté suprême? Donc du coup, ça veut dire, est-ce que l'aiguille sert à contrer la volonté suprême, ou est-ce qu'elle sert à contrer d'autres dieux extérieurs? Oh, you found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on, it's yours. Now let me have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Et donc, déjà, Gori est un sage, ok, mais lequel de sage? Ce sage-là, c'est la même armure. De couleur bordeaux, tenue des sages qui furent jugés hérétiques, signe que son porteur fut expulsé de son village. Donc ça veut dire que Gaori, donc ce magicien-là, ce sage-là, a été expulsé pour hérésie. Quel genre d'hérésie? On sait pas trop. On sait que dans l'académie de Réa Lucaria, il y avait des magiciens de sang, avec les ronces du péché, etc. Donc du coup, est-ce que Gaori a utilisé le même genre de rituel? Pour le moment, on peut pas savoir. Oui, c'est bruit derrière. Et, peut-être vous avez trouvé étrange, Gori a dit que Millicent se trouvait au-delà de Celia dans la cathédrale de la putréfaction écarlate. Pourquoi est-ce qu'on l'a croisée dans le marais? Ça, je n'ai pas la moindre idée. Je pense que du coup, juste elle est devenue tarée. Et je me disais, attends, est-ce qu'il faut l'aiguille puisse faire envahir par Millicent? Non, du coup, juste Millicent peut nous envahir même si on n'a pas l'aiguille. Donc, pourquoi est-ce qu'elle nous envahit ici particulièrement, surtout qu'en plus, elle donne juste des runes en plus? J'en ai pas la moindre idée. Par contre, son moveset était très, très intéressant. Et donc, Gori nous a dit de revenir le voir plus tard. Plus tard, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire temps de chargement. Évidemment, vous êtes rodé à l'exercice désormais. I have awaited your return. The needle is repaired. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind.
Millicent rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder. Tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Vicente est vénérée comme une déesse de la putréfaction. Intéressant. Do you find it peculiar that I would show such concern for the girl? Well, I'm the one that found her. A mere babe in the swamp of Aeonia. She is one of my dear daughters. But the rotting sickness erodes one's memory. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Alors, pour le moment, on connaît pas, on va dire, ses capacités en tant que papa. Mais est-ce qu'il est dans le top 3 avec Seluvis et Gideon? Je ne sais pas. Il a l'air chelou, mais il a pas l'air ultra maléfique. Enfin, non mais, on peut pas juger au faciès, mais vous êtes ouvert. Et moi, je suis moustachu. Now, all you need to do is deliver the needle to Millicent. She's convalescing in the church atop the cliff. Just do so, and you shall receive a handsome recompense, of course. Je suis beau, même dans les pays pauvres. Alors, ceux qui savent, savent. Les autres diront, mais de quoi tu parles? On se met sous l'escalier de Celia. Et vivre sous les escaliers comme Harry Potter. Inventaire. Bon non, j'avoue, pas besoin de level up à fond. C'est vrai que j'ai toujours ça. Pour rendre visite au maître. Et de toute façon, même ici aussi, ça va être Speedrun Land. Puisqu'il y a beaucoup d'éléments ramassés, beaucoup d'ennemis à affronter et... Et pas beaucoup de fun à trouver, malheureusement. Son objectif, c'est d'être d'aller par ici, du coup. La carte est ici. Ah, je crains un peu ce qui va se passer. Voilà, j'arrête de gagner du temps, les vidéos sont déjà trop longues comme ça. Est-ce que j'ai du muguet amélioré ou pas? On illustre jusqu'à plus 5. Ah bah c'est parfait ça. Bon bah je vais améliorer des trucs dans votre dos du coup. Ah mais je peux améliorer le mec musclé en jupette. Oui si, on va faire ça. Comme ça, ça sera absolument parfait. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à dans une semaine pour la partie 30 du guide. Allez, ciao.